Les amis, alors on a été coupé une fois, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Allez, on va continuer ici sur cette zone à côté de Balou et on va remonter vers Mamoudzou centre. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on continue. Alors désolé parce qu'on a été coupé. Toujours, ça fait trois fois que ça saute là. Alors ici on est vers le magasin Balou. Alors, on est sur ce côté-là de Mamoudzou. On arrive ici, voilà, et ici direction, on va aller vers Balou. Salam alaikum, ça va? Ça va, ça va. On va aller vers Balou. Ici les rues ont très très évolué ici hein, les rues bon super hein. Mais les stades ça reste bof, le stade de Mamoudzou, bref zéro. Alors ici, on est sur un quartier aussi très résidentiel et très commercial aussi. Les deux à la fois, très commercial, très résidentiel. Ah, ici, les prix, ça fait froid dans le dos. Hein. Quand tu regardes les prix, ça te fait un choc. Hein. Choc thermique.
Alors ici, en haut, des résidences. Hôtel. C'est une hôtel celui-là. Encore c'est un Indien qui tient ça. Hôtel Maharaja. Un Indien. Ouais. Place aux étrangers, place aux étrangers, les amis. Ah oui. C'est eux qui ont le fusil ici. C'est eux qui ont le gros calibre du fusil. Alors. Alors les amis, ceux qui cherchent un magasin coranique, hormis la place de Mamoudzou, à côté du bazar, où on vend beaucoup de Coran, il y a un magasin ici qui est très bien. C'est celui-là, ça vend des tapis de prière. Ils vendent de tout dedans. Donc ici, cette place-là, hein, d'accord, librairie musulmane de Mayotte. Voilà, en face, là, ici, là. Et sur la rue commerciale que je vous montre ici, quand vous prenez la rue qui fait éruption à côté de la mairie de Mamoudzou, eh ben cette rue commerciale, vous allez arriver dessus. C'est la petite info. Hein. Alors je vais regarder un petit peu vos commentaires parce que je suis concentré. Ben, je veux dire par là, c'est eux qui ont le plus gros calibre du fusil à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, ici, quand un Mahorais demande quelque chose, il ne l'a jamais. Que ce soit au niveau du projet, du résidentiel, etc., etc., des postes aussi qui sont très honorables, ben, la priorité n'est pas pour le Mahorais. Voilà, tout simplement. D'où le gros calibre du fusil. Hein, l'expression parle, hein. Donc on va arriver à l'hôtel de ville de Mamoudzou, la mairie de Mamoudzou.
Enfant de Dieu, il y a des gens qui sont l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville Mamoudzou. Ici on a l'hôtel de ville en face. Conseil départemental est un petit peu en haut, ça y est, c'est le bordel. C'est le bordel, on arrive sur les embouteillages. Et oui, ça y est, hein. Vous assistez aux embouteillages. La hantise de Mayotte, les embouteillages. Alors là, Mamoudzou, bienvenue. Bienvenue Mamoudzou. Alors, si tout le monde à Mayotte favorisait la moto, les vélos, pour les résidents qui sont à Mamoudzou, eux-mêmes, ils se déplacent en véhicule. Ceux qui sont à Cavani, Mtsapéré, etc. Si tout le monde avait des vélos, accessibles aux vélos, ben, il n'y aurait pas tout ça. Ah, mais moi, je suis désolé. Hein. On a une toute petite île, eh ben, tout le monde veut avoir un véhicule. Tout le monde veut avoir un véhicule. Et comme tout le monde veut avoir un véhicule, regardez ce que ça fout. Il y a le bordel partout. Il y a des bouchons, les bouchons qui s'accumulent là. On a pied partout. Ça va ou quoi? Oui. On tourne. Je vais vendre ma moutou. Ça va, va. Ça va, bro. Ça fait plaisir de te voir. Non, tu vois pas, bon homme. Ça va? Ouais, ça va. Je continue. Je filme, man. Je filme, hop. Ça se passe, sinon? Ouais, tranquille. Ah, bah, c'est bien, ça fait plaisir, moi, comme c'est. Eh, passé, Arna, Facebook, le Nangshi. Karazmoun, j'étais au jeune monde. Ouais, ben oui, ouais, oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Vas-y, je passerai sur ton truc là. Ouais, yeah. Si, si. Oui, yes. Bon, c'était un pote, un ancien collègue. Alors, Mamoudzou, centre. Mamoudzou, bienvenue. Ouais.
Bienvenue là. C'est toujours en panne ici, hein. Les horaires de merde. Ah, c'est toujours la même chose, hein, les mêmes postes, hein, depuis 17 ans maintenant. C'est le même poste que tu vois là. Ça fait 17 ans là. Ce même poste là, ça fait 17 ans que c'est là. De l'office de tourisme, il y a les jeux pour les enfants, hein. Vous pouvez venir amener vos enfants. Thank you.
Mamoudzou, donc centre-ville, le bazar que vous venez de voir, la place de Brochette qu'on voit ici et la place des taxis aussi. Alors, tout de suite vous allez voir les piscines olympiques de Mamoudzou. Il y a des grandes piscines ici. Je vais vous montrer. Voilà. Elles sont là. Voilà. Voilà. Petite piscine quand il pleut. On a un petit bassin ici. C'est super. Super bassin. Il y a un gros trou qui est là-bas aussi. Ça, c'est le parking de Mamoudzou. Donc je tiens à le répéter, moi j'aime beaucoup le montrer hein, parce que c'est une fierté, d'accord. Voilà, voyez l'exemple, voyez, regardez, ça c'est un parking de la capitale de Mamoudzou. Regardez, voilà, hop, voilà. Alors ici aussi, le trou, en fait il y en a partout, hein. Des nids de poules, il y en a partout. Ça, on peut pas empêcher Mayotte de ne pas avoir des trous quand ils font les routes ou les parkings. Hein, c'est toujours premier niveau et puis voilà. C'est bon. Ah, je suis pour rien, les frères et sœurs. Hein. Ce n'est que la réalité des images. Voilà. Tu vas où? Là ou là? Alors ici, il y a une petite piscine aussi. Hop, hop. Voilà. Ah, il n'y a pas d'évacuation. Hein. Voilà. Petite rétention.